Éloi. Et là, j'y le dirai, Christelle et Éloi avec Brigitte. Puis nous, on va aller où? Ici, donc, ça sera Éloi avec Brigitte. Apprends tes clics et tes claques. À Témo, tes tabernacles, ça va être Éloi avec Christelle. Okay, vous entendez le... Dans le fond, je prends le lead de Céline, Éloi prend le lead de... Oui, c'est ça. On me dit qu'il faut t'écouter la V7. C'est pas la bonne version. Oui, mais je vois bien, mais je vais le couper au fur et à mesure. Là. Parce que sinon, je vais prendre 10 minutes pour aller chercher le... Sur le drive. Puis on revient, ouais. Apprends tes clics et tes claques. OK. Tu veux dire, ça finit à qu'importe l'endroit. Exact. On barre tout. Fait que je veux des cocotiers et tout ça, s'il n'y a personne qui chante ça. Non. Non. Fait que tu prends tes clics, tes claques, tes rêves et ta vie, ça c'est Éloi et Brigitte. Ça c'est Éloi, on va le faire en duo. Éloi avec Brigitte, Témo de Tabernac, Éloi avec Christelle. Éloi encore une fois avec Brigitte. Ah, l'escampette. L'escampette et la poudre et la fille de l'air. Fait que vous avez vu comment c'est séparé, là? Ça va faire... Prends tes clics et tes claques pour toi, Éloi, et tes rêves et ta vie pour Brigitte. Ça va prendre... Ça va faire tes mots, tes tabernacles pour Éloi et ta langue d'ici pour Christelle. L'escampette et la poudre pour Éloi et la fille de l'air pour Brigitte. Et là, après, Éloi, ça va faire montre-moi tes édennes, Brigitte, Christelle et tout le monde. On va dire, montre-moi tes enfers. Là, toi, tu vas reprendre, Éloi, tes nord et puis tes sud, et tes est et tes ouest. All right. Montre-moi tes Éden. Ça, c'est Brigitte qui va faire le all right. OK. Montre-moi tes enfers. Ça, ce sera Sarah Maud. Et puis, Éloi, on va te faire faire les. Est-ce que tu as des parenthèses, toi? Oui. Oui, alors le 1 puis le ou, là, ce sera toi. Oui, j'aime ça ton regard, Camille, hein, quand tu regardes dans cette direction. Il va falloir que tu fasses des après ça, ça va être Brigitte qui va faire la suite et. Éloi, tu vas reprendre ici. Qu'importe, j'irai où, bon, tu sembles... Jusqu'à quand tu les éclaires? Tu vas te rendre jusqu'à... Ouais, tu vas chanter tout ça, sauf que les deux premières lignes, Brigitte va faire ta lumière. Puis dans les deux autres lignes, Sarah Maud, tu vas faire quand tu les éclaires. Le bout en parenthèse à la fin du paragraphe. Je fais les parenthèses. Je le chante-tu aussi, moi? Le premier. Toi, tu chantes... Non. Deuxième, c'est toi. Ça va-tu, Sarah Maud? Oui. Ça, c'est toi. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour tes torrents, tes neiges éternelles. On essaie-tu un petit bout, Lua? Va pour tes forêts. Va pour... Regarde, c'est carrément un arpège de sol. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour tes... Non, regarde, ça commence dans la tonalité. Va pour tes forêts. Va pour tes forêts, tes tes gratte-ciels, va pour tes torrents, tes neiges éternelles. On laisse une dernière fois, tu l'écouteras après. Un, deux. Va pour tes forêts, tes gratte-ciels, va pour tes torrents, tes neiges éternelles. Incroyable quand même, hein? Céline était déjà mariée quand il est né, lui. Il est né... T'es dans quelle année, toi? 2005? Ouais. Fait que, écoute ça, Éloi. C'est des arpèges, c'est pas archi compliqué. Faisons le refrain avec Christelle aussi. La suite de ça. Je prends-tu une harmonie là-dessus ou je prends juste l'octave en dessous? Non, prends pas d'harmonie. Prends. À l'unisson. Oui, chante à l'unisson. Parfait. Chante la mélodie que t'entends. Greg, il y a des ou là. Oui.
Et on va avoir carrément la colorie majeure. Mais moi, même si je chante là-dessus, ça change-tu de quoi? Non, il faut que tu chantes là-dessus. Mais ça, mais moi, je t'ai pas lead là-dessus. C'est la suite. C'est la suite de... C'est la suite de ta phrase. Toi, tu fais... fais « Montre-moi tes Éden, montre-moi tes enfants. » ça, c'est ta ligne qui précède, là. « Montre-moi tes Éden, montre-moi tes enfants. » Puis là, tout le monde chante. On va faire ré majeur. Là, on a ça, mais... Faisons-le. OK. Je pense que c'est plus sage de faire ça. OK. Est-ce que tu comprends, donc, Éloi? Oui. Parfait. Fait que, hey, les garçons, scratch, qu'est-ce que je viens de dire? Faites-le pas en bas. Tu es en train de redesigner ta chambre? Non, mon piano a tombé. Tout ça. OK. On a tout scrappé. Les garçons, regardez ce qu'on va changer. À cet endroit-là, on va vous faire chanter la même ligne que les filles chantent en haut, mais on va le chanter à l'autre tableau. Exactement. T'as-tu compris? S'il te plaît, on le restait ensemble. Une, deux, trois. Montre-moi des enfants. Ah, c'est le seul choix qu'on a. Parce que l'autre, c'est pas beau. Vous avez pris une note de ça? Fait que c'est plus un fa que tu chantes, Éloi. C'est un do. Ça, c'est avec ce bout-là. Ensuite, on a les chez moi qu'on avance avec des. Écoutez ça attentivement, les garçons. Olivier, je vois que tu as déjà entendu ça. Éloi, prends un petit moment aujourd'hui. Oui. Je sais que tu as beaucoup d'activités sociales de ce temps-ci, Éloi. Je ne sais pas si tu as planifié de sortir et aller à Bromont, mais pendant que tu es pogné dans ta chambre, tu peux écouter ça. Oui. Greg, qu'importe l'endroit, on fait ça. Les deux garçons ici, là, les malades, là, on va garder toujours la même note dans cette affaire-là. Nous, enfin. When you call on me. C'est quoi la note? C'est un fa, on est en fa. Parfait. Si ton piano n'a pas de déconcrissé le camp, ça serait non, pas. Il est correct. Parfait. OK. When you call on me. Checkez ça. When you reach for me, I get wings to fly. I feel that. When you bless the day. Hein? C'est assez simple, ça? C'est des fa, il y a comme un mi quelque part, subtil, on jette un sort. Okay. Pourquoi qu'on chante ça, nous autres? Pardon, quoi? On chante ça, nous autres. Oh, ouais, on apprend ça. Kept in your room, woke up from your sleep, to make love to you, is that all right? I drove all night. De départ? La note de départ, c'est un fa dièse. Tiens, là, on vient de graduer, là, les garçons. Tantôt, on chantait juste des fa. Là, on chante des fa dièse. Woohoo! OK, on laissait ça, tout le monde? Is that all right? Ça va-tu? Oui. Oui, on a des fa dièse. Is that all right? Même note qu'on vient de finir à you. Hey, is that all right? I drove all night. On descend. Regardez. Ça fait da 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 da. To get to you. Is that all right? I drove all night. Ça va-t-il? Ouais. D'accord. Il y a beaucoup de fa dièse. Dans le doute, fa dièse. Vous avez compris, les garçons? Comment ça marche, cette affaire-là? Évidemment, vous êtes pognés chacun tout seul en n'entendant pas ce que tout le monde chante, là. Mais il faut vous imaginer que vous allez venir compléter ce qui se passe là. Oui. Là, ma commande pour vous, là, c'est par rapport à ce qu'ils font, là, on ne peut pas avoir un gap d'un octave. Ça ne peut pas faire... Comme là, on entendait, là... on entendait ça ici. On entendait ça. On peut pas avoir... Éloi, même si tu te rends, on veut pas avoir ça ou ça. C'est trop loin.
J'entends même pas la différence, là, sérieux. OK, mais regarde, je vais te l'expliquer. Eux autres, là, ils chantent en groupe serré. Ça fait ça à peu près. Ça OK? Fait quoi? Ça fait ceci. Là, là, vous, quand vous vous rajoutez, là, on veut pas se rajouter ici, là. C'est trop loin. C'est trop loin de ça. Ça se peut, Olivier. Et Éloi, rajouter ici, ça se peut. Tu comprends? Mais plus bas que ça, là... Ça se fait pas. Ben, ça se fait. C'est... Ça se fait, mais c'est pas ça que tu veux. Poche. C'est poche. Trop loin, parfait. Surtout que c'est des filles. Surtout que c'est toute une séquence de filles qui chantent. Ouais, c'est ça. Une après les autres. OK, on recommence ça, puis essayez-le, là. C'est essayez de le trouver. C'est des A, après ça, c'est des O. Ben, c'est des O après des A. En fait, là, je les rentrerai, là. Mais ici, il rentre plus. C'est tout. Moi, je peux-tu rester sur la même note, celui-là, tu m'aimes encore? On est déjà obligé de redescendre tout le monde au complet, genre? Non, tu peux rester sur la même note. Tu m'aimes encore? Non, tu peux pas rester là. Faut que tu restes. Non, tu peux pas rester sur le sol, parce que le sol, il y a... Tu m'aimes encore? Ça marche. Mais moi, ma question, c'est les A, là, comme les O avant, là, on les faisait en votre tête, mais là, c'est bon, on peut le faire. Là, on peut le faire comme ça. Oui, tout à fait. Okay. Ça, c'est pas un problème. Bon. Oui, tu allais dire quoi, Edouard? Je disais la note. La mélodie, c'était quoi, là-dedans? Ça fait da, 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 pour que tu m'aimes encore. C'est ça, la mélodie. Puis là, il y a les filles qui chantent ça. Je peux-tu trouver une autre ou on est obligé de rester sur deux notes? La meilleure place où être, là, c'est ici. Cette note-là, là, c'est parfait. C'est un ré. Okay. Parce qu'il est dans le chemin de rien, le ré. Regardez, ça sonne toujours bien, ré. Peu importe. Ah. Moi, j'ai quelque chose. Salut. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais demander voir si ça aurait de l'allure que dans ma tune à la place, genre dans le deuxième, dans les deuxièmes bouts de couplet, j'aille sur le sol mineur, en tout cas pour moi, à la place de revenir sur le cinquième degré. Je vais te montrer ça. Seulement. Sol mineur à la place de revenir sur le cinquième degré. Et tout le long du couplet, je... Ce serait-tu plus beau, moins beau? Attends, c'est une bonne question. Redis-moi ça. Que... Tu veux faire quoi après? Ben, je ferais toute la même affaire, Yek, à la fin de chaque double, tu sais, les oui. Quatre trucs. Oui. Sur la première, je ferais la même affaire que je faisais. Sur le deuxième, même affaire. C'est qu'à la place d'orbiner sur le cinquième degré, je ferais ça. Ah, tu veux dans ton couplet faire le machin que tu fais dans ton refrain? À chaque fin de couplet, oui. Non? Oh, tu peux le faire si tu veux, mais c'est juste que ce que tu fais en faisant ça, c'est tu uses... Le punch. Tu uses l'intérêt de passer de majeur à mineur. Parce que, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, là, je vais toujours être là, là. Mm-hmm. Si tu lui dis 46 fois, je vais toujours être là, ça perd de sa valeur. Mais quand tu finis ton refrain, puis tu dis ça, là, la raison pour laquelle il y a un accord mineur que je te proposais de mettre là, c'est parce que quand on dit le mot toujours, ça sous-entend qu'éventuellement, ça n'existera plus, toujours là, parce qu'on crève, on meurt, les gens disparaissent. Il arrive des choses, on est séparés par le temps, tu comprends? Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'en disant ça, là, on a subitement un mineur, OK? Tu peux le mettre dans ton couplet. C'est juste que si tu le mets dans ton couplet, tu viens d'enlever un peu du tour de magie qu'il y a dans ton refrain. C'est ce que j'hésitais aussi. Oui. Ouais, mais tu vois, c'est une façon de le traiter. Après ça, remarque, il y a un paquet de tune pop qui utilise l'accord mineur partout, là. Partout. Mais je pense que c'est efficace que tu l'aies dans ton refrain au moment où tu dis... À moins que je me trompe, ce que tu dis de plus important mm-hmm. dans ta toune, c'est la fin de ton refrain. Mm-hmm. Est-ce que je me trompe? C'est ça le plus important. Ouais. T'as une toune d'amitié, de kid, de gars, dire une affaire de même,
que les gars se disent pas assez souvent, c'est là qu'il y a le highlight. Mm-hmm. Fait que garde cet accord-là, là où il y a le highlight. Parfait. OK, ferme ta TV, bye-bye. Salut. OK. La porte, j'irai où?